Et bienvenue dans Génération Laudato aussi, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver ici au cœur de Paris au forum 104, un lieu de dialogue culturel et religieux et justement dans cet épisode nous allons parler du dialogue entre l'écologie et l'économie. Et oui, depuis 2015, le pape François s'est fait l'apôtre de la décroissance, il critique notre système économique libéral et capitaliste qui épuise les ressources de la planète et qui est responsable des crises que nous traversons alors en tant que chrétien comment repenser notre modèle économique? faut-il opter pour la décroissance? on en parle tout de suite avec nos deux chroniqueurs martin monty et martin kopp c'est parti. martin kopp est théologien protestant et chercheur associé à l'université de strasbourg. martin est aussi un militant engagé en faveur des questions climatiques. il est coordinateur de l'ong interreligieuse green faith en france et président de la commission écologie et justice climatique au sein de la Fédération protestante de France. Martin Montilalobi est journaliste pour la revue Projet, une revue jésuite centenaire et réalisateur de documentaires. Martin anime aussi le podcast Deux pieds dans le bénitier, un programme très inspirant pour comprendre l'actualité avec un regard catho. Militant associatif, Martin fait aussi partie du conseil d'administration des scouts et guides de France. La première, ça fait un peu vite parce que... ouais, tout à fait. Salut Martin. Salut. Salut Claire, ça va Oui, Martin Cop Martin, Montilla Lobby, merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Je propose euh, qu'on s'installe en plateau. Avec plaisir, on y va ça va Cela fait une vingtaine d'années avant le pape François donc que le terme de décroissance s'est imposé dans le débat sur l'écologie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter ce témoignage de Paul Meignier. il a 27 ans, il fait de la permaculture en Bretagne et est aussi militant écologiste. Vous allez le voir, Paul fait partie de ces militants qui se questionnent sur notre système économique et puis qui se battent pour le remettre en cause. Notre modèle économique actuel, il est particulièrement insoutenable, c'est-à-dire qu'il est basé sur la croissance. Et en fait, euh, un, un modèle économique qui est basé sur la croissance sur une planète où les ressources sont, sont limitées, bah, il y a forcément quelque chose qui ne marche pas dans l'équation. Il n'y a pas de découplage possible entre euh, une croissance infinie et euh, des ressources illimitées. Donc, il faut que d'une manière ou d'une autre, on choisit ce qu'on veut faire croître et ce qu'on va nécessairement devoir faire décroître. On peut réconcilier l'économie avec l'écologie, mais de quelle économie on parle Martin a menti la lobby, on l'entend, Paul nous dit, euh, l'équation ne marche pas, de quelle économie on parle Comment tu reçois un peu ces paroles euh, Quel regard est-ce que tu portes sur notre manière de faire de l'économie, même en France c'est vrai qu'il a, a raison, il faut interroger de quelle économie on, on parle. On a un peu le, le travers de, de voir l'économie comme une science exacte, figée, avec des formules qui fonctionneraient à tous les coups, qui, qui se suffiraient à, à, à elles-mêmes, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. L'économie, elle est connectée aussi aux vivants, aux personnes, aux sociétés, dans des réalités qui sont très différentes, et il faut accepter ça, et donc il faut aussi accepter qu'il y a des points de vue et des manières de faire qui sont, qui sont différentes. Martin Kopp, à quoi ressemble notre société française économiquement Est-ce qu'on a tous les mêmes responsabilités euh, face à notre système D'un point de vue économique, nous sommes aujourd'hui une société de croissance. C'est-à-dire que c'est plus simplement un modèle économique, une façon de produire des biens, des services, de les consommer. C'est devenu une culture du croître. On a une vision du bonheur qui est liée à cela, on a une vision de la réussite personnelle et collective ou des sociétés, du développement ou du progrès qui est lié à cela. Donc il y a tout un récit. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a des responsabilités partagées et inéquitables. Il y a des gens qui ont beaucoup de capital et donc un pouvoir dans ce système et des personnes qui luttent au jour le jour, parce qu'elles sont au SMIC, parce qu'elles sont précaires, parce qu'elles sont, et qui n'ont, en termes d'empreinte écologique, rien à voir avec les plus riches parmi nous. Donc même si on va parler de décroissance et d'économie de croissance, il faut bien avoir à l'esprit ces inégalités, et que les responsabilités des uns ne sont pas nécessairement celles des autres. Et alors justement, on entend beaucoup parler de décroissance par opposition à ce système dans lequel on se trouve. De quoi on parle exactement C'est quoi cette décroissance alors le mot décroissance, il provoque parfois des réactions épidermiques, mmh. et c'est le but. Ce n'est pas un concept en tant que tel, ce n'est pas non plus un projet en tant que tel, mmh. c'est d'abord un mot qui est là pour provoquer la pensée et mettre en cause l'idéologie de la croissance. Parce que c'est une croyance, entre-temps. Nous avons un croire au croître. Et le mot décroissance joue un peu comme un blasphème dans cette religion. Un de la blasphème, croissance. le mot est fort, oui Oui, pour moi c'est ça, tout à fait. Euh, il faut lutter contre une croyance avec euh, une décroyance. <laughs> Donc le mot décroissance euh, aide à cela. Mais au-delà au -delà de cet euh, aspect euh, provocation, un petit peu, euh, il désigne l'idée très simple selon laquelle, ben, si nous sommes en situation de dépassement de limites, si tout le monde vivait comme une Française ou un Français, il faudrait quasiment trois planètes. À l'échelle de l'humanité, on utilise 1,7 planètes par an. Eh bien, il faut redescendre euh, en deçà de ces frontières écologiques et donc, bien sûr, avoir une démarche d'efficacité, faire mieux, mais aussi avoir une démarche de sobriété, faire moins, vers un état stationnaire post-croissance. Mmh. Donc la décroissance, ce n'est pas le projet, faire moins pour faire moins, c'est tout aussi absurde que faire plus pour faire plus, mmh. mais c'est le trajet. C'est un moment de transition vers un monde accroissant, post-croissant, qui s'est libéré de cette contrainte-là et qui vit dans une stabilité respectueuse des limites planétaires. La décroissance, c'est un trajet. Alors, on vient de le voir avec ce que vous nous dites. Le système économique actuel maintient, voire renforce les inégalités sociales et environnementales. Alors, quelle est la solution Est-ce que la décroissance peut nous sauver Eh on en parle avec nos deux chroniqueurs. Alors, Martin monte à la lobby. Face à la crise immense à laquelle on est confronté aujourd'hui, la question c'est est-ce que la décroissance est la solution Est-ce qu'elle va nous permettre de sauver la planète oui, En fait, il faut se demander de quoi on parle quand on parle de décroissance. Martin l'a dit la croissance c'est une croyance et on ne sait plus de quoi on parle, on est obsédé, on veut juste de la croissance. En fait, quand on parle de croissance, c'est la croissance du PIB, le produit intérieur brut, qui permet de mesurer l'ensemble des richesses qui sont produites sur un territoire. Donc le PIB de la France, voilà, c'est toutes les richesses qu'on produit sur le territoire français. Ouais. Mais finalement, c'est des richesses qui sont très limitées, puisque c'est la valeur économique en soi. Il n'y a, a pas de mal, et c'est même plutôt intéressant de mesurer euh, les richesses économiques qu'un qu pays euh, produit. Ce qui est gênant, c'est quand l'ensemble de nos politiques publiques sont évaluées simplement à la croissance euh, de, ce, de ce PIB. Si je prends un exemple, pendant qu'on discute, ton appartement brûle. Alors, par chance, personne n'est touché. Mais euh, tu vas avoir euh, plus d'affaires que tu vas devoir racheter. Tu vas devoir faire intervenir des ouvriers pour retaper ton appart, pour le remettre en état. Ça, c'est très bon pour la croissance. Eh ben, oui. à l'échelle de l'environnement, à l'échelle. Enfin, euh, très bon pour la croissance, mais c'est catastrophique pour toi. Oui. Eh ben, à l'échelle de l'environnement, de l'humanité, c'est pareil. On découvre un gisement de pétrole qu'on veut exploiter, c'est très bon pour la croissance. On construit un centre-parc sur une zone humide qui n'a aucune valeur comptable, mais qui est très précieuse pour les écosystèmes, c'est très bon pour la croissance. Pareil si on renforce le, le trafic aérien. Donc tout ça nous montre que ça, quelque chose qui peut être très bon pour la croissance peut être très mauvais pour l'environnement ou l'avenir de l'humanité. Alors pourtant, Martin, certains économistes et politiques nous parlent quand même de croissance verte Oui, ils nous en parlent. Alors, je ne sais pas s'ils y croient ou s'ils veulent nous y faire croire. Euh, mais on ne peut pas tenir en même temps nos objectifs de croissance qui sont affichés par certains politiques, nos gouvernements par exemple, et euh, nos, nos, nos objectifs de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre comme l'accord de Paris qu'on a signé en, en 2015. En tout cas, aujourd'hui, personne n'a démontré que c'était possible, et si on regarde les courbes, dès que les courbes de, du PIB augmentent, les courbes des émissions de gaz à effet de serre suivent. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est plutôt de se poser... Euh, quelle autre boussole pour notre société on utilise euh, On l'a vu, le, la boussole du PIB est très limitée. Et donc, quelles sont les autres boussoles qui vont nous permettre de savoir qu'on est dans une société du bien-être, dans une société juste, dans une société sûre pour l'ensemble de l'humanité Oui, c'est super intéressant. Ce que tu nous dis, Martin, en fait, c'est vraiment qu'il vaut mieux se concentrer sur d'autres indicateurs de richesse plutôt que de faire un focus sur la décroissance. – Alors oui, je pense qu'il faut aller chercher d'autres indicateurs. Après, la décroissance, elle a son intérêt. Hein. Martin Kopp nous, nous l'a bien expliqué. L'économiste voilà, euh, Serge Latouche parle d'un mot « obus ». On le pose dans le débat, ça explose, ça nous permet un peu de nous sortir de cette euh, espèce… Euh, voilà, on est hypnotisé par la croissance, ça nous sort de, cette, de cet état-là qui nous empêche de, de réfléchir. Et d'ailleurs, tu l'as dit, hein, le, le pape parle de décroissance, dans la date aussi, au paragraphe 139, euh, quelque chose comme euh, il faut que dans quelques parties du monde, il y ait une, une certaine décroissance oui. pour que dans d'autres parties du monde, euh, il y ait une saine croissance. Donc voilà, il faut qu'on se pose les questions que Martin a commencé à, à évoquer. Qui doit décroître et de quoi Qui doit croître et de quoi euh, On en arrive vraiment aux questions des inégalités finalement. Mm -hmm. et, euh, et là, on voit qu'on n'est vraiment pas du tout dans la bonne direction si on interroge dans cette émission notre, notre modèle économique, euh, pour terminer. Oxfam, l'ONG Oxfam, vient de publier un rapport la mi-janvier sur les inégalités qui montre que les quatre plus grandes fortunes de milliardaires françaises depuis 2020, donc quand même depuis le Covid, avec toutes les crises successives qu'on a connues depuis, ont vu leur fortune augmenter de 87%, pendant que 90% des Français se sont euh, appauvris. Donc ça montre vraiment là que les, les inégalités augmentent et que donc si on doit réinventer notre modèle économique euh, de par cette crise écologique qu'on qu affronte, il bah, y a un enjeu de réduire ces inégalités. Et si pour ça, certains doivent décroître, on, on saura comment, comment faire. Commencer, prenez par qui commencer. Voilà, c'est ça. Merci. Et justement, et Martin Kopp, on va continuer de parler de croissance et de décroissance avec toi et peut-être nous intéresser à un certain verset de l'Évangile que je vais vous lire sur lequel tu, tu vas rebondir. Ne vous amassez pas des trésors sur terre, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. Alors, Martin, que nous dit Jésus dans ce verset moi, j'aime beaucoup ce verset parce qu'il est très pertinent pour notre société aujourd'hui. Bien que, entre la société de Jésus, agraire avec une économie toute petite, et puis la société d'aujourd'hui, il y a un énorme fossé. Mmh. Mais il vient interroger la notion d'accumulation, de ce que l'on amasse. Et pour être très précis, des trésors. Et en grec, là, vous avez thésoros, mmh. qu'on retrouve en français lorsqu'on dit thésoriser. C'est-à-dire, Jésus nous parle. De ce qui déborde du bien avoir, de ce dont nous avons besoin pour vivre, et il n'y a pas de question, il nous faut des vêtements, il faut à boire, à manger, etc. Mais au bout d'un moment, quand on commence à accumuler, eh bien, Jésus commence par poser un interdit. Il dit :« N'amassez pas sur terre. » Et s'il y a peut-être un des versets les plus contra-culturels et contra-économiques d'aujourd'hui, c'est celui-là. Il nous dit :« N'amassez pas sur terre. » Alors que nous avons bâti un récit, mais aussi un système économique dont la boussole dit en fait c'est ça l'objectif numéro un. Donc là on a une interrogation très très profonde et ce qui est intéressant c'est de voir que ce verset là s'adresse d'abord aux personnes du coup les plus aisées ou les plus riches. On dit parfois dans l'écriture il y a une option préférentielle pour les pauvres. Oui. Quand on lit les évangiles on se rend compte qu'il y a aussi une mise au défi préférentielle des riches. Oui. Et euh, ce que Jésus fait c'est de dire en fait c'est pas l'accumulation en tant que telle que je mets en question mais je la relocalise. C'est pas les trésors en tant que tels qui sont un problème c'est où est-ce qu'ils sont. Et il nous invite à passer de la terre au ciel. Alors, il nous invite à passer de la terre au ciel, c'est très beau. Concrètement, comment est-ce que ça peut être vécu, nous, dans nos vies quotidiennes Alors, pour comprendre ce que Jésus dit ici, il faut bien saisir ce que signifie le ciel. C'est évidemment pas le lieu géographique, parce que accumuler des trésors dans les nuages, voilà. C'est le lieu symbolique et théologique de euh, la présence de Dieu. Donc, il nous dit cessez d'accumuler des trésors sur terre. Pour vous-même, il y a quelque chose de très égocentrique et on le voit dans euh, la mise en garde sur le, le gestionnaire qui accumule les greniers dans l'évangile selon Luc. Voilà. Mais il y a aussi une invitation à accumuler des choses auprès de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire C'est une idée qui vient du judaïsme antique et qui euh, met en avant, en fait, d'une part la, la, la vie spirituelle, la piété. Et ce verset dans Matthieu suit directement un propos sur la prière, par exemple, mm -hmm. mais aussi la relation d'amour au prochain. Et donc, ça, à la fois la vie spirituelle, et donc là l'enjeu c'est quel est le temps qu'on consacre à quoi, et euh, l'amour du prochain, c'est-à-dire euh, tous les lieux de solidarité et de partage. Pour être très concret ici, avant tout, c'est la question de l'argent et du patrimoine. C'est-à-dire nous sommes invités si on veut pas accumuler sur terre alors que par exemple on a des revenus importants ou que euh, voilà, il y a des choses qui arrivent en nos mains, eh bien il faudrait à la limite vivre des décroissances constantes et répétées, un écrétage constant de ce qui nous arrive et ce par le don. Euh, et là il y a des choses spirituelles très profondes parce que Jésus présente aussi dans l'évangile selon Matthieu l'argent comme euh, une entité spirituelle concurrente de Dieu. Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et servir l'argent et le donner. Comme le dit le théologien Jacques Ellul, en fait, c'est le profaner. On fait ce pour quoi il n'est pas pensé, c'est-à-dire le don gratuit et non intéressé. Et oui, Martin, là, Jésus parle euh, du cœur. Et en fait, à travers ses pratiques, il se joue quelque chose de très spirituel. C'est intéressant de voir comment Jésus justifie son propos. Mmh. Il dit Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors que spontanément, on penserait l'inverse. Mon cœur est décidé dans telle ou telle direction et donc je définis mon trésor. Et Jésus, il inverse. Et donc, il faut être très attentif à ce qu'on identifie dans nos yeux comme le trésor, parce que le cœur, bibliquement, ça signifie en réalité l'inclinaison et la vérité même d'une personne. Quand Dans les proverbes, on dit que là où les hommes voient la personne, Dieu voit le cœur, c'est-à-dire Dieu voit la vérité de notre orientation, de notre être. Et c'est ça qui se joue. Si on est. Si le trésor, c'est les biens matériels et l'accumulation sur Terre, sur nos comptes en banque ou de patrimoine ou, ou d'actions, euh, euh, etc., euh, en fait, l'ensemble de notre être va être attiré vers cela et ça va déterminer notre cœur lui-même. Il faut donc avoir une sorte de révolution des cœurs, de conversion euh, des trésors pour avoir une orientation qui, d'une certaine manière, est anti-économique euh, si l'on prend l'économie dans le sens d'une économie de croissance. Alors vous l'entendez, arrêter cette frénésie de la production, opter pour plus de décroissance, c'est nécessaire à la fois pour chacun d'entre nous et pour notre planète. Concrètement, comment on fait On en parle tout de suite. Je propose de repartir en Bretagne maintenant pour découvrir un projet original, celui de Bascule Argoat. C'est une douzaine de personnes installées dans une ancienne abbaye depuis 2019 qui veulent expérimenter un mode de vie décroissant. Mais est-ce que ça marche Regardez ce reportage de Naoki Lambeza. En fait, il y a eu plusieurs vagues depuis les années 70, en gros, de personnes qui ont décidé de quitter la ville pour aller vers un mode de vie plus alternatif. Mais là, particulièrement, depuis 3-4 ans, il y a eu un peu le phénomène des, des bifurqueurs, des personnes qui basculent, souvent des personnes qui ont fait des grandes études et compagnie, et du coup qui se disent, en fait, je ne veux pas contribuer au système actuel et je ne vais pas aller dans une grande entreprise, je vais plutôt aller créer une alternative. À 150 degrés... Euh... Ouais, on a créé le... Basque Uruguay, c'est un peu un de ces lieux-là dans lequel, euh, effectivement, il y a beaucoup de gens ici qui euh, ont fait des études euh, type master ou doctorat, qui habitent ici et qui se disent OK, on va euh, voir comment on peut faire différemment. Euh, je vais replanter un qui sent les trois. Du coup, comme ça, dans un petit pot, c'est ce pas génial. C'est pas c'est pas une colloque, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Il y a un projet vraiment politique. Dans une colloque, il y a un truc un peu passif de juste on partage un habitat. Alors que nous, on partage pas uniquement un habitat, on partage des valeurs, on partage euh, un activisme. C'est pour ça qu'on est un lieu qui a pour vraiment objectif de, faire, de créer des bascules individuelles. De se dire, ok, euh, que tu restes quelques semaines ou quelques mois ici, et donc on pourrait, consi on pourrait considérer que Bascule Argoade, c'est non seulement une école de la coopération, euh, mais aussi une école de l'engagement. C'est-à-dire qu'on essaye de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre individuelles. Donc ça, ça passe par plein de choses. Ça passe par le fait de mutualiser à peu près tout, notamment euh, bah, le, le logement. Ça passe par avoir une nourriture qui soit uniquement végétarienne. Euh, ça passe par euh, du coup diminuer nos, nos transports, et notamment l'utilisation de la voiture. Tu regardes les horizons du sol, enfin, comment le sol est en train de se... Se recréer et composter pour savoir si on peut bientôt planter des arbres bah alors c'est pas dégueu quand tu crées un design de permaculture l'idée c'est que tous les éléments soient placés au bon moment okay. pour que euh, précisément l'énergie que tu as à mettre dans ton jardin ou dans ton système il décroît avec le temps ce serait révolutionnaire de s'inspirer la permaculture pour euh, repenser l'économie euh, parce que la permaculture est un système qui euh, se veut nécessairement décroissant une fois qu'on a euh, tout ce dont on a besoin, eh ben on s'en limite. À la différence du capitalisme, ou en tout cas de la société actuelle. C'est-à-dire que là, on réfléchit plus en fonction de ce qu'on aimerait avoir. Et puis une fois qu'on a ce qu'on aimerait avoir, eh ben on a encore envie d'avoir plus. Alors que la permaculture, l'idée c'est justement de rester sur de la suffisance. C'est de se dire en fait là, j'ai un système qui, est, qui a été pensé dans sa totalité, avec toute la nourriture dont j'ai besoin, les fibres dont j'ai besoin, etc. Et du coup, je vais, je vais me limiter à ça, je vais m'en contenter. Et du coup, quand on dit partager équitablement les, les ressources, on peut aussi dire partager équitablement les surplus. L'idée, c'est que tout ce qu'on a produit, que ce soit chez nous ou à, à l'extérieur, eh ben, on puisse le partager à des personnes qui en, qui, euh, en ont plus. Donc ce n'est pas de capitaliser, au contraire. Alors oui, on peut réconcilier l'économie avec l'écologie, mais en, en tout cas ne plus avoir le PIB comme indicateur, mais plus avoir euh, je sais pas moi, des facteurs de bien-être, par exemple. Enfin, il y a tout un tas d'économistes qui réfléchissent justement à une société post-croissance. Qu'est-ce qu'on veut en tant que société Est-ce qu'on veut toujours plus Ou alors est-ce qu'on a envie de rentrer dans une forme de maturité aussi et de se dire ok bah là on a dépassé le stade de l'adolescence. En fait j'ai tout ce que je veux. Maintenant là à partir de maintenant je vais me contenter de ce dont j'ai besoin. Donc, d'un côté, on a le manque de ressources, enfin en tout cas la dépression énergétique, et de l'autre, on a le changement climatique. Et en fait, comment on fait pour faire un projet de société là-dedans, avec ces deux contraintes-là, avec ces sortes de ciseaux-là qui. cet effet ciseaux Et du coup, comment on fait pour créer une société juste dans laquelle, toutes et tous, on puisse vivre euh, cette décroissance-là Et ça, c'est hyper excitant. Martin Montilalobi, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette expérience de bascule vers un nouveau système ouais, Je trouve que ce qu'on a vu dans le reportage est très intéressant. Euh, J'ai dit en début d'émission, il n'y a pas qu'une manière de faire de l'économie. Et donc, qu'il y ait des endroits, des, des interstices, des espaces un peu nouveaux où on peut développer, expérimenter. Voilà, ce, ce, je pense que ça va vraiment passer par l'expérimentation. Euh, ça me semble important que ça existe, quitte à presque que ça essaie ou que ça reste circonscrit. Mais en tout cas, c'est important que ça existe. Ouais. Martin Copp, est-ce que tu es d'accord avec ça ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fond, ils remettent l'économie à sa juste place, qui est celle d'un moyen et non pas d'une fin en soi. Et dans le rapport à la croissance, il y a eu là un shift. Sorti de la Deuxième Guerre mondiale, on avait une économie en croissance parce que, bien sûr, on sortait d'un moment de pénurie, de manque, il fallait se nourrir, s'habiller, etc. C'était légitime et c'était pensé comme un moyen. Nous sommes ensuite devenus une économie de croissance qui a fait du moyen une fin. La permaculture interroge cela et elle présente comme horizon, il utilise le mot contentement, où on est contenté. Ce que je trouve très beau parce que, d'une part, ça dit on a assez, c'est la suffisance. Mais aussi dans le contentement, il y a content. Il y a quelque chose à gagner, il y a une joie à avoir dans cette vie qu'on voit sur leur visage et qui se termine d'ailleurs dans son propos par dire et même la décroissance, un peu, c'est excitant, il y a quelque chose du défi, et si je peux être un peu provoque, le plus beau défi d'innovation, pour utiliser ce mot qui est cher à la société actuelle, n'est-ce pas de traverser une transition de décroissance vers un mode post-croissant alors, justement, que répondre à ceux qui ne croient pas encore à ce mode de décroissance, à ce changement de système, ceux pour qui la liberté économique, l'autonomie prime Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là Que leur répondre Je leur répondrai je vous comprends, mais je vous mets au défi. Je vous comprends parce que, effectivement, Changer tout un système qui a mis trois siècles à être bâti en 30 ans, ça peut paraître écrasant, insurmontable, ou alors on est en, on est en confort, on est aisé, on est parmi les gagnants, et on a la, la peur de perdre. Et ça, je crois que humainement et pastoralement, même à la limite, il faut l'entendre et commencer par dire cela. Cependant, ça ne veut pas dire qu'intellectuellement, ce soit satisfaisant, ni sociétalement, ni pour le vivant au sens plus large, parce qu'on a beaucoup parlé des êtres humains, les plantes, les animaux doivent être vus aussi, euh, mettre au défi et de ne pas être dans des oppositions euh, entre le tout contre le tout. Mmh. Ce n'est pas la liberté contre euh, la régulation, c'est une question de curseur. Toutes nos sociétés ont compris que eh bien, pour vivre ensemble, il faut une loi, il faut des limites, il faut un cadre. On l'a dans nos sociétés. Aujourd'hui, la nature nous dit ben ça concerne aussi la relation que vous avez avec moi, avec les ressources, avec le monde et donc il faut remettre le curseur et finalement accepter notre finitude. C'est peut-être parce qu'on touche à cela que ce n'est pas évident de prime abord. Effectivement, changer de système économique, ce n'est pas simple, mais partout des militants se mobilisent. Je propose d'écouter les témoignages de Samuel Sauvage, qui est le cofondateur de l'association HOP contre l'obsolescence programmée, et le témoignage de Joseph Dalloin, qui travaille pour une campagne de désinvestissement des énergies fossiles. On a créé HOP en 2015 parce que la faible durée de vie de nos produits, c'est une des causes de la crise écologique, qui est vraiment une crise profonde qui nous amène à re-questionner nos modes de production et de consommation. Alors c'est ce qu'on essaye de faire au sein de l'association, à la fois évidemment en dénonçant les pratiques d'obsolescence programmée, en portant donc plainte contre des grands groupes, mais aussi en proposant de nouvelles lois. Actuellement il y a le bonus réparation ou alors l'indice de durabilité sur les produits qui sont en train de s'appliquer suite à nos propositions. Et puis c'est évidemment sensibiliser les citoyens, sensibiliser les entreprises à d'autres façons de produire et de consommer qui vont être respectueuses des limites de la planète. En tout cas, on œuvre en ce sens et on espère agir à notre échelle pour un monde un petit peu plus durable. Salut moi c'est Joseph et ce que je fais c'est que je travaille avec des institutions catholiques à travers le monde pour les aider à adopter des politiques d'investissement compatibles avec ce que dit Laodate aussi, mais surtout compatible avec euh, la science sur le climat, à savoir qu'il faut euh, absolument sortir des énergies fossiles et donc il faut sortir son argent euh, des entreprises qui continuent à explorer de nouveaux gisements, qui veulent développer la production euh, d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz et, et de charbon. Euh, et donc euh, voilà, avoir une attitude prophétique avec leur argent. Martin, on arrive au terme de notre émission et ce sera un peu la question de la fin. S'il y a une politique à mettre en place d'urgence pour changer notre système, quelle serait-elle Je pense qu'il y a un enjeu quand même assez central entre le travail et le capital. Aujourd'hui, enfin, Martin, tu l'as dit dans tes propos, hein, c'est le capital qui prédomine. On amasse, on amasse et ce sont les plus riches qui s'enrichissent mmh. au détriment de ceux qui, qui travaillent. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à redonner du sens vraiment <laughs> au travail. Le geste profondément politique, c'est de dire qu'on change de boussole. Et là, c'est la politique au sens large et noble du terme. Et c'est un défi de créativité énorme, avec beaucoup de propositions, comme on a vu dans le reportage. Dans un clin d'œil œcuménique comme protestant, je finis en citant le pape François, lui dit c'est un beau défi. Et je nous invite à regarder ça comme ça. Pas un défi redoutable et qui fait peur, mais un défi qui est beau et qui peut donner envie. Sur cette belle conclusion, il est temps pour moi de vous remercier et de vous dire au revoir. Merci beaucoup, Martin Kopf et Martin Montilalolbi d'avoir été avec nous sur cet épisode sur la décroissance. Merci à vous d'avoir été derrière vos écrans et de nous avoir suivis. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudette aussi.